There are some very boring Bible passages that have a lot to teach us. Il y a certains passages de bibliques très ennuyeux qui ont beaucoup de choses à nous enseigner. There are some passages that meant nothing to me in the first 50 readings of the Bible. Il y a certains passages de la Bible qui n'avaient aucun sens pour moi pendant les 50 premières lectures de la Bible que j'ai faites. Some things began to settle. Certaines choses ont commencé à se poser, à se avoir un sens. As you began to go into the 60-something reading. Pendant que j'ai commencé à aller dans les 60 quelque chose de lecture. I must finish my Bible for the 68th time this month. Il faut que je finisse ma Bible pour la 68e fois ce mois. Why are you shouting? I'm going to be 30. How many years old in the Lord? Pourquoi est-ce que vous criez? Je vais avoir 30. Combien d'années dans le Seigneur? Very soon. Close to 30. I'll be 37 years old in the Lord. J'aurai 37 ans dans le Seigneur. If I was just reading the Bible twice a year, that would be already 74. Si je lisais juste la Bible deux fois par an, ça ferait déjà 74 lectures. And if you want to preach, et si tu veux prêcher, you should pump the Bible four times into your life for every year of your life. Tu dois pomper la Bible quatre fois dans ta vie pour chaque année de ta vie. My prayer is that the younger people who are starting to serve the Lord. Ma prière c'est que les plus jeunes gens qui sont en train de commencer à servir le Seigneur. That they will take the necessity to be saturated with God's worldview through His Word seriously. Qui prennent au sérieux la nécessité de se saturer par la vision que Dieu a du monde. À travers sa parole. There are so many alternatives. Il y a tellement d'alternatives. That if a person does not saturate himself with the mind of God. Que si quelqu'un ne se sature pas de la pensée de Dieu. He will be blown about by many trends. Il sera ballotté à tout vent de doctrine. Trends. Il sera ballotté à tout vent de tendance. Try not to leave your house without having read the Bible. Essaye de ne jamais partir de ta maison sans avoir lu ta Bible. It changes the way you see the world. Ça change la manière dont tu vas voir le monde. Le fait de lire la Bible change la manière dont tu vas voir le monde. Bible reading was to be daily. La lecture biblique devait être faite quotidiennement. It's not just the importance of reading large quantities. Ce n'est pas seulement l'importance de lire de grandes portions, but also to read daily. Mais aussi de lire quotidiennement. Somebody read Deuteronomy 17, verse 18 to 20. Que quelqu'un lise Deutéronome, chapitre 17, verset 18 à 20. In from NIV, when he takes the throne of his just king. When the king, because. Okay. NIV, okay, I put the king there. Il s'agit du roi. When the king takes the throne of his kingdom, he is to write for himself on a scroll a copy of this law taken from that of the priests who are Levites. It is to be with him
and he is to read it all the days of his life, so that he may learn to revere the Lord his God and follow carefully all the words of this law and these decrees, and not consider himself better than his brothers, and turn from the law to the right or to the left. Then he and his descendants will reign a long time over his kingdom in Israel. Quand le roi accédera au trône, il écrira sur un livre pour un usage personnel une copie de cette loi que lui communiqueront les prêtres lévites. Cette copie ne le quittera pas. Il y lira tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à révérer l'Éternel son Dieu en obéissant à toute cette loi et en appliquant toutes ses ordonnances. Ainsi, il ne s'enorgueillira pas pour se lever au-dessus de ses compatriotes et il ne déviera pas de la loi ni dans un sens ni dans l'autre. De la sorte, il s'assurera ainsi qu'à ses descendants un long règne sur le trône d'Israël. Amen. Amen. So when you read this, the leader in the congregation. Quand on lit ce passage, il est clair que le dirigeant d'une congrégation, that means the busiest person, c'est-à-dire la personne la plus occupée, in the whole church, dans toute l'église, in the whole nation, dans toute la nation, one thing he must not do is to jump reading from the Bible every day of his life. Une chose qu'il ne doit pas faire, c'est de sauter de lire la Bible un jour quelconque de sa vie. And the Bible tells us what this repeated reading of the Bible would produce. Et la Bible nous dit ce que cette lecture assidue de la Bible va produire. Assiduité, c'est de la répétition. Mm-hmm. Dit que tu ne sautes pas. Okay, assiduité. Okay. What it will do to him? Ce que cela va produire en lui. It will grant him the fear of God. Cela va lui donner la crainte de Dieu. When you see many leaders becoming very bold. Quand tu vois beaucoup de dirigeants devenant très hardis. The way they talk to brethren. Dans la manière dont ils parlent aux frères. In the harshness. La brutalité de leurs paroles. The way they handle money. La manière dont ils gèrent l'argent. The way they treat their wives and marriages. La manière dont ils traitent leurs épouses et leurs mariages. Their boldness. Leur courage. To touch God's money. De toucher à l'argent de Dieu. Please, something has happened to them. S'il te plaît, sache que quelque chose leur est arrivé. Positions deaden those who don't walk with God. Les positions rendent insensibles ceux qui ne marchent pas avec Dieu. There is in the human psyche. Dans la psychologie humaine, power destroys those who wield it. Le pouvoir détruit ceux qui le détiennent. If you have a lot of authority, si tu as beaucoup d'autorité, and people obey you, et les gens t'obéissent, you may become careless about your own life. Tu peux devenir négligent au sujet de ta propre vie. If you have a lot of money, si tu as beaucoup d'argent, and people beg from you, et les gens se tournent vers toi pour en avoir, it may destroy you. Ça pourrait te détruire. It will make you careless about your own life. Ça va te rendre négligent au sujet de ta propre vie. If you are a very pretty woman, si tu es une femme très belle, très jolie, and all your life, men are always turning to you, et toute ta vie, les hommes se tournent vers toi, sont attirés. Toute ta vie, les hommes sont attirés vers toi. It will harm you. Ça va te faire du mal.
an overcourted girl. Une fille à qui on fait trop la cour. Wealthy men. À qui les hommes. Wealthy men. Les hommes riches. I'm talking about different categories of people. Ah d'accord. Non, attends. Wealthy men. Mais dans ces catégories-là, une fille à qui on fait trop la cour et aussi les hommes riches. And men in high position. Et les hommes haut placés. They develop hearts of rock. Ils développent des cœurs de pierre. Insensitive. Une insensibilité. They commonalize everything. Ils rendent tout est commun pour eux, tout est ordinaire. Profane. Ils profanent toute chose. They don't fear anything. Ils ne craignent rien. They are insulated, vaccinated. Ils sont comme vaccinés. They don't beg. Ils ne supplient pas. They don't repent. Ils ne se repentent pas. They don't cry. Ils ne pleurent pas. They are dry plants that are no longer moist. Ils sont des plantes asséchées qui n'ont plus aucune humidité, aucune fraîcheur. So when in the service of the Lord. Donc quand dans le service du Seigneur, you see those who are close to the leader. Vous voyez ceux qui sont proches du dirigeant. Who have influence. Qui ont de l'influence. Who talk to others. Qui parle à d'autres. Who have advantages. Qui ont des avantages. When you see very intelligent students. Quand vous voyez des étudiants très intelligents. Who always pass their exams. Qui réussissent toujours à leurs examens. And shapely women. Who always draw eyes. Et les belles femmes qui attirent toujours le regard. And wealthy men. Et les hommes riches. Who bow the hearts of men by extending their hands. Qui en tendant leurs mains pour donner aux autres les amènent à se prosterner devant eux. Non. Quand l'argent est entre leurs mains, c'est comme un vent. Hein? Ça plie les hommes, le cœur des hommes. Qui me comprend? God says, Dieu dit, for those who occupy high positions, que pour ceux qui occupent des positions élevées, if they are not to be destroyed, pour qu'ils ne soient pas détruits, they should read the Bible every day. Il faut qu'ils lisent la Bible chaque jour, so that they may learn to fear the Lord. Pour qu'ils apprennent à craindre le Seigneur. To revere the Lord. Pour qu'ils apprennent à révérer le Seigneur. When respect has dried up in people's hearts. Lorsque le respect s'est asséché, a disparu du cœur des hommes. When tenderness has dried up in people's language. Lorsque la tendresse a disparu du langage des gens. When humanity and humaneness has dried up in interpersonal relationships. Lorsque l'humanité, le caractère de d'homme a. Lorsque les hommes, en traitant avec les autres, ne les traitent plus comme les autres hommes. Lorsque le fait d'être humain, d'être compatissant, n'est plus là dans les relations, dans les interactions avec les autres. Okay. Quand on n'est plus humain, est-ce qu'en français on dit humain? Humain, oui. Oui. Quand on n'est plus humain, envers les autres. Oui, dans les interactions avec les autres. Mm. On gronde, on crie, on sèche, on balance, on lave, on sèche, on nettoie, on repasse. Passe le savon. Un savon. On te passe au savon. Qui a compris? Hein?
advantages in life. Les avantages dans la vie. Life advantages. Les avantages que la vie donne. All glory and greatness must be born by pillars of spirituality. Toute gloire et toute grandeur doivent être portées par des piliers de spiritualité. Doit être soutenu. Soutenu par des piliers de spiritualité. Whether natural talents, que ce soit des talents naturels or spiritual appointments, ou des nominations spirituelles or human advantages, ou bien les avantages qu'on a dans la vie. If the person's life lacks pillars, spirituality to carry it. Si il manque dans la vie de la personne qui a ces choses de la spiritualité pour les porter, it will harm him. Ça va lui faire du mal. And there are many people who are already damaged like that. Et il y a beaucoup de personnes qui sont déjà endommagées de cette manière. When you marry a man whose salary is around 300,000, you talk as if you are the biggest queen. Quand tu épouses un homme qui a un salaire autour de 300 000 francs, tu parles comme si tu étais la plus grande reine du monde. When you are the wife of the leader, quand tu es l'épouse du dirigeant, you insult every woman in the church. Tu insultes toutes les femmes dans l'église. What can they do to you? Qu'est-ce qu'elles peuvent te faire? When you are the child of the leader, quand tu es l'enfant du dirigeant, you criticize everybody who comes in the church or in the ministry. Tu critiques tous ceux qui viennent dans l'église ou dans le ministère. You are already damaged. Tu es déjà endommagé. You cannot deny your advantages. Tu ne peux pas renier tes avantages. If you have advantages, you have them. Si tu as des avantages, tu les as. But you can save yourself. Mais tu peux te sauver toi-même. By daily reading the Bible. En lisant la Bible quotidiennement. It will keep you in the fear of God. Ça va te maintenir dans la crainte de Dieu. Another thing that daily Bible reading does, une autre chose que la lecture quotidienne de la Bible produit, is that it makes you not think yourself better than others. C'est que elle t'amène à ne pas te voir meilleur que les autres. It destroys condescension. Elle détruit la condescendance. It destroys patronage. Elle détruit le fait de se considérer comme un patron. Le parrainage. Ça détruit le parrainage. Parrainage, c'est quelqu'un qui donne aux autres. Qui est toujours sur qui les autres dépendent. It destroys those soul blighting dispositions. Ça détruit ces dispositions qui aveugle l'esprit. When I was 22, quand j'avais 22 ans, one sister invited me to her house in Yaoundé to eat. Une sœur m'avait invité dans sa maison à Yaoundé pour manger. I was working then in Onaref. À l'époque, je travaillais à l'Onaref. When I went to the house,
Quand j'étais allé dans sa maison, she treated me very well. J'avais trouvé faveur, elle me traitait très bien, elle m'avait très bien traité. But when I entered the house, mais quand j'étais entré dans la maison, she was shouting at her house girl. Elle était en train de gronder sa domestique. She hid below the belt. Elle a débordé dans la manière et dans ce qu'elle lui disait. The insult, the condescension. La manière injurieuse dont elle lui parlait, la condescendance. I looked at her. J'ai regardé cette sœur. And in my mind, I told myself. Et dans ma pensée, je me suis dit. Does this sister not know that it may just have been the circumstances of life that changed their position? It could have been this girl, who is the madam, and she, the house girl. Est-ce que it cette is sœur... just a, the quake of circumstances. Est-ce que cette sœur se rend compte que juste des circonstances, il n'y a que des circonstances qui l'ont mise en une position d'avantage par rapport à celle-là, et qu'il aurait suffi de peu pour que ce soit elle la domestique et la domestique sa patronne. Is she a woman and she does not know how to know women? Est-ce qu'elle est, elle est une femme et elle ne sait pas comment connaître les femmes? Any woman who cannot recognize a better woman in those who are in a lower class is a fool. Toute femme qui ne peut pas reconnaître en les personnes cadettes d'une personne meilleure. Toute femme qui ne peut pas reconnaître en une femme qui est en position inférieure à la sienne une personne meilleure. Excusez-moi. Si parmi les gens qui te sont inférieurs dans la société, tu ne reconnais pas les gens qui te dépassent en potentiel intrinsèque, tu n'as vraiment pas des yeux. On dit que l'habit ne fait pas le moine, n'est-ce pas? Le mariage, le diplôme, les habits, un peu d'argent et la chance dans la vie. Et un peu de prostitution pour avoir sorti des gens qui ont de l'argent. Est-ce que ça t'a fait de toi... Ça fait de toi une personne meilleure. Est-ce que ça a fait de toi une personne meilleure? Que tu as été prostituée jeune pour courir après l'argent qui va te donner un peu de meilleurs habits que les autres. Vraiment, tu es meilleur que les autres. Who has understood me? Daily reading of the Bible. La lecture quotidienne de la Bible. Does brainwashing. Elle lave le cerveau. It takes away from you. Elle t'enlève the feeling of being better than others. Le sentiment d'être meilleur que les autres. If you see somebody who is very proud, si tu vois quelqu'un qui est très orgueilleux, don't try to insult him. N'essaye pas de l'insulter pour le rabaisser. His problem is the lack of constant contact with God's word. Son problème, c'est que il lui manque un contact constant avec la parole de Dieu. That's the disease of not frequently reading the Bible. La maladie qui consiste à ne pas lire fréquemment la Bible shows in the way people talk. Se manifeste dans la manière dont les gens parlent. The way they boast. Dans la manière dont les gens se vantent. The things in which they boast. Et elle se manifeste aussi dans les choses desquelles les gens se vantent. Was understood. Qui a compris? Thirdly. Troisièmement.
The Bible says daily Bible reading. La Bible dit que la lecture quotidienne de la Bible maintains the leader in the dispositions of heart that made God to trust him and make him a leader. Maintient le dirigeant dans les dispositions de cœur qui ont amené Dieu à lui faire confiance et à faire de lui le dirigeant. So daily Bible reading ensures the continuity of his leadership and ministry. Donc la lecture quotidienne de la Bible assure la continuité de son leadership et de son ministère. And even the favor of God on his children and disciples. Et même la faveur de Dieu, elle assure la faveur de Dieu sur ses enfants et sur ses disciples. Because he will raise them not to carry heirs. Parce qu'il va les élever de manière à ce qu'ils ne se vantent pas devant les autres, qu'ils ne scient pas les airs. So that God can treat them well. De sorte que Dieu puisse bien les traiter. A father who is not reading the Bible, un père qui n'est pas en train de lire la Bible, who talks carelessly to people, qui parle n'importe comment aux gens, will produce sons and children, il va produire des fils et des enfants who are arrogant, qui sont arrogants. And life will teach them. Et la vie va leur enseigner des leçons. In the anthology of American literature, dans l'anthologie de la littérature américaine, I read from Cotton Mather. No, I read from Benjamin Franklin. J'ai lu de Benjamin Franklin. He went to visit Dr. Cotton Mather. Il était allé visiter le docteur Cotton Mather, who was a pastor. Qui était un pasteur. Since Benjamin Franklin was very tall, puisque Benjamin Franklin était très grand de taille, as he was entering the pastor's house, pendant qu'il entrait dans la maison du pasteur, he bumped his head against the lintel. Et il s'est cogné le front au niveau du linteau de la porte. When he entered, quand il est entré, the old man did not say sorry. Et le vieux pasteur qui, chez qui il entrait ne lui a pas dit « Oh, je regrette ». The law of every pastor is turn every occasion into a lesson. La loi de chaque pasteur, c'est de la loi dans le ministère pastoral. Mais c'est la loi dans le ministère pastoral, c'est de transformer chaque situation en une occasion d'enseignement. So the old preacher, dans le vieux prédicateur, he began his sermon. Il a commencé son sermon. Stoop, young man, stoop. Il lui a dit, accroupis-toi, jeune homme. Ça dit, baisse-toi, jeune homme, baisse-toi. Stoop. Baisse-toi. And thou shalt escape many a bump in life. Et tu vas échapper à beaucoup de cognes. Dans la vie, tu vas éviter de cogner ta tête dans beaucoup de situations. Hey, stoop, brother. Stoop. Oui. Young man, stoop. Jeune homme, accroupis-toi, descends. And thou shalt escape many a bump in life. Et ça va t'éviter dans la vie de cogner la tête. Benjamin Franklin records it as one of the transforming statements. Benjamin Franklin enregistre cela comme l'une des déclarations transformatrices de sa vie. And he says, et il dit that through his life, que tout au long de sa vie, his long useful life, sa longue vie utile, he was not a believer. Il n'était pas un croyant. He says he has seen many people bump their heads because of pride. Il a dit qu'il a vu beaucoup de personnes se cogner la tête à cause de l'orgueil. But he obeyed the wholesome advice of Dr. Mather. Il avait obéi. Il avait obéi à ce bon conseil que lui avait donné le Dr. Mather. And he has avoided many a bump. Et ça l'a préservé de plusieurs accidents de ce genre. Il a évité de cogner sa tête à plusieurs circonstances. Young man, bend your head. Jeune homme, baisse-toi. And you shall escape many a bump. Et tu vas éviter plusieurs fois de te cogner la tête. In life. Dans la vie. Alléluia. Alléluia. There are certain dispositions that turn God to
to favor and back a man. Il y a certaines dispositions de cœur qui inclinent Dieu à soutenir un homme. À bénir un homme. À manifester sa faveur à un homme, à le bénir. The Lord Samuel asked, God asked Samuel. Dieu avait demandé à Samuel. Saul, King Saul. Non, le roi Samuel, le roi Saül avait demandé à Samuel. God asked King Saul. I'm sorry. Dieu avait demandé au roi Saül. When you were small in your own eyes. Quand tu étais petit à tes yeux. Did I not lift you up? Ne t'ai-je pas élevé? Be careful the day you begin to be big in your own eyes. Fais attention au jour où tu vas commencer à être grand à tes propres yeux. It will be the announcement of your downfall. Ce sera l'annonce de ta chute. Pride goes before a downfall. L'orgueil précède la chute. Who has understood the importance of Bible reading? Qui a compris l'importance de la lecture biblique? Put up your hand if you have understood. Lève la main si tu as compris. Don't be sleeping. If, don't let your hand sleep. Ne laisse, pas, the eyes that ne sleep. Laisse pas ta main dormir. Hein. C'est seulement les yeux qui dorment. I want some people to pray. You see, every relationship with the Bible is different. Ouais, chaque relation avec la Bible. Chaque fois qu'on lit la Bible, chaque aspect de cultiver la Bible est différent. Il y a au moins 9 aspects de la relation du croyant avec la Bible. Au moins 9. Et chacun est différent. Parce que ce que chacun apporte est différent. La lecture biblique produit des dispositions. La mémorisation biblique produit la sanctification. La méditation sur la Bible produit le succès. L'étude biblique produit un ministère. L'obéissance de la Bible produit l'obéissance de la Bible, Deutéronome 28, produit la bénédiction. Chaque aspect de la relation du croyant avec la Bible a un aspect différent. Donc quelqu'un ne peut pas dire que je ne vais pas mémoriser la Bible, hein, parce que je lis beaucoup la Bible. Ça va jouer quand tu vas faire face aux tentations. Tu ne sauras pas gérer tes tentations. I am saying that every aspect of the believer's relationship with the Word of God has a different benefit. Those who read the Bible have right dispositions. Those who meditate on the Word of God, like Joshua 1:8. And Psalms 1, the Bible says they succeed and they prosper in all that they do. Those who memorize the Bible, thy word have I stored up in my heart that I may not sin against thee. Those who memorize the Bible have pure thoughts and they handle their temptations. They handle the devil temptations and sanctification. The Bible says about Timothy, that studying the Bible prepares, makes him a man equipped for every good work and ministry. Study to show thyself approved unto God, a workman that does not need to be ashamed.
In the World University of Prayer passage in 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 3. Dans le passage clé de l'Université mondiale de prière, à savoir 2 Timothée 1 verset 1, 2 Timothée chapitre 2 verset 1 à 3. What you received as teaching from a man. Ce que tu as reçu comme enseignement d'un homme is a divine investment. C'est un investissement divin. To make you useful in God's purpose. Pour te rendre utile dans le dessein de Dieu. It's your deposit. C'est ton dépôt. You joke with it. Tu t'amuses avec. You are dealing with your own inheritance. Tu es en train d'endommager ton propre héritage. Timothée, keep the deposit that you have received. Timothée, garde le dépôt que tu as reçu. By the power of the Holy Spirit. Par la puissance du Saint-Esprit. Keep the deposit. Garde le dépôt. The wise man Solomon says in Ecclesiastes 12. Le sage Salomon dit dans Ecclésiaste 12. That this discipleship and following what one person teaches. Que ce fait d'être disciple d'un homme et suivre son enseignement. Produces spiritual stability. Produit la stabilité spirituelle. Maybe we should read it. Ecclesiastes peut-être, chapter 12. Lisons Ecclésiaste chapitre 12. Verse 9 to 11. Verset 9 à 11. From verse 9 to 11. No, start from verse. From verse 10. Commence au verset 10. Okay. The teacher searched to find just and right words, and what he wrote was upright and true. The words of the wise are like gods. They are collected sayings like firmly embedded nails given by one shepherd. Be warned, my son, of everything in addition to them. Of any or every. Sorry. Be warned, my son, of anything in addition to them. Of making many books, there is no end, and much study wearies the body. Yes. Lisa. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables. Et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Spirituellement, to read every author. Lire n'importe quel auteur. Okay. Spirituellement, lire n'importe quel auteur. Just while reading. Juste lire de façon sauvage. It's not being an open-minded person. Ce n'est pas être une personne, ce n'est pas être ouvert. The Bible says, la Bible dit, for direction, pour la direction, pour avoir une direction claire. That is what it means by gods. C'est ce que signifie les aiguillons. That is what you put in the mouth of a cow to make sure that the way you want it to go, it just goes. Because if c'est-à-dire it turns, que ce que tu will. Mets dans la gueule d'un bœuf pour contrôler là où il veut, là où il va, pour qu'il n'aille pas juste là où il veut. Because if it doesn't go where you are leading, parce que s'il ne va pas là où tu le conduis, the goats prick. Les aiguillons le piquent. And keep him in a certain direction. Et le garde dans une certaine direction.
There are many people very confused about the call of God on their life because they are very confused in what they consume. Il y a beaucoup de personnes qui sont très confuses concernant l'appel de Dieu dans leur vie parce qu'elles sont très confuses dans ce qu'elles consomment. The omnivorous animal that eats everything is called a pig. And a believer who goes reading every kind of book is a spiritual pig. L'animal omnivore qui mange toutes sortes de nourriture s'appelle un cochon. Et le croyant qui se met à lire n'importe quoi, à consommer n'importe quoi, est un cochon spirituel. Spiritual pig. Un cochon spirituel. There are many pigs that are very fat. Il y a beaucoup de cochons qui sont très gras. Spiritually. Spirituellement. And going nowhere. Et n'allant nulle part. With the presumption of knowing what they don't know. Avec la présomption de savoir ce qu'ils ne savent pas. They know everything except what God wants for their lives. Ils savent tout, sauf ce que Dieu veut de leur vie. Who has understood? Qui a compris? So discipleship. Donc, la vie de le fait d'être disciple. Être disciple de quelqu'un. Merci. Être disciple de quelqu'un. And following just that person's teaching. Et suivre juste l'enseignement de cette personne-là. The collected teachings of one shepherd. Les enseignements collectés. Recueillis. Recueillis tous les enseignements d'un seul berger. Provides direction. Cela donne une direction. And provide stability like firmly embedded nails. Et cela donne une stabilité comme des clous qui sont profondément enfoncés. So you see, every relationship with the Word of God is different. Donc vous voyez, chaque relation avec la parole, chaque aspect, merci, de la relation de Dieu, de la relation d'un croyant avec la parole de Dieu, produit des effets différents. So when you watch a believer, donc quand tu regardes un croyant, you can know his sickness. Tu peux connaître de quelle maladie il souffre. Those who are always sinning, ceux qui sont toujours en train de pécher, recommend to them to meditate all of Revelations. Recommande-leur de méditer tout le livre d'Apocalypse, no, to de mémoriser tout le livre d'Apocalypse. If they sin more, s'ils pêchent davantage, let them memorize Matthew. Qui mémorise Matthieu. Those whose ministries are dry. Ceux dont les ministères sont secs. Believe that you can render ministry without Bible studies. Croire que tu peux rendre ministère sans étudier la Bible. They are tempting God. Ils sont en train de tenter Dieu. They are not led by the Spirit of God. Ils ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. The Bible says, study to show yourself. La Bible dit, étudie pour te montrer un ouvrier qualifié. Study. Étudie. It is insulting the service of God. C'est insulter le service de Dieu. To want to teach people what you have not studied. Que de vouloir enseigner aux gens ce que tu n'as pas étudié toi-même. Every flimsy thing that enters your head, you feel free to tell people. N'importe quelle idée qui te passe par la tête, tu te sens libre de la dire aux gens. That's why we like to own disciples. C'est pourquoi nous aimons avoir des disciples. So that we will not be under the need to qualify for a ministry that deserves to be believed. Pour que nous n'ayons pas besoin de nous qualifier pour un ministère. Pour que l'enseignant ne soit pas à l'épreuve lui-même. Merci. Pour que l'enseignant ne soit pas à l'épreuve lui-même. And it has produced rotten heads. Et ça a produit des têtes pourries. And people who are not make progress. Et des gens qui n'ont pas fait du progrès. Because they will not study. Parce qu'ils ne veulent pas étudier. I have 6 messages for the Bible camp. J'ai 6 messages pour le camp biblique. I have spent 1 year studying the Sermon on the Mount. J'ai passé 1 an
à étudier le sermon sur la montagne. It is part A of the first message. C'est la première partie du premier message. Now I'm going to have to assemble the close to 17 parables of the kingdom. Maintenant, il va me falloir rassembler les presque 17 paraboles du royaume. And meditate on them. Et méditer dessus. That will be part B of my message one. Ce sera la deuxième partie de mon premier message. The life of the kingdom. La vie du royaume. The nature of the kingdom. La nature du royaume. I must study. Il faut que j'étudie. Jesus took 40 days to teach the disciples about the kingdom. Jésus avait pris 40 jours pour enseigner les disciples sur le royaume. After his resurrection. Après sa résurrection. Jesus does not send people to go and do what they don't know. Jésus n'envoie pas les gens aller faire ce qu'ils ne savent pas. Ce qu'ils ne connaissent. Jésus n'envoie pas les gens aller faire ce qu'ils ne connaissent pas. Who has understood a bit? Qui a un peu compris? Bible reading. La lecture de la Bible. To maintain spiritual dispositions. Pour maintenir les dispositions spirituelles, les bonnes dispositions spirituelles. Bible memorization. La mémorisation de la Bible. To walk in sanctification and triumph over temptations. Pour marcher dans la sanctification et dans le triomphe sur les tentations. Bible study. L'étude de la Bible. To fill a man to minister to others. Pour remplir un homme pour qu'il puisse rendre ministère aux autres. Discipleship. Être disciple de quelqu'un. By continuing in his message. En continuant dans son message. Providing direction and stability. Cela donne la direction et la stabilité. In Isaiah 8, verse 16. Dans Ésaïe 8, verset 16. The prophet Isaiah says. Le prophète Ésaïe dit. Bind up the testimony. Bind up the law. Lis la loi. And seal up the testimony amongst my disciples. Et scelle le témoignage parmi mes disciples. I will wait quietly for the Lord. J'attendrai le Seigneur, j'attendrai l'Éternel. Verset 17. Je place en lui ma confiance. J'espère en l'Éternel. Yes. What it means is that, ça commence au verset 16. Envelopper cet oracle, cette révélation parmi mes disciples. J'espère en l'Éternel. Quand on a des buts pour l'avenir et on veut préparer l'avenir et on a de l'espoir ce que Dieu va agir, on a un travail à bâtir des disciples qui seront utiles à Dieu. Et on les donne un dépôt. Si on n'a pas confié la loi aux disciples, si on n'a pas assuré le témoignage, pas ce qu'il appelle la révélation, le témoignage, c'est-à-dire ce que Dieu a travaillé dans sa vie parmi les disciples, il n'y a pas de base pour espérer en l'Éternel. Quand Dieu, pour préparer pour l'avenir, on bâtit des disciples. Pour se préparer pour l'avenir, on bâtit des disciples. The Christian life did not start with us. Ce n'est pas avec nous que la vie chrétienne a commencé. So the future is handled by disciples who keep the deposit of the word. Donc l'avenir est géré, garanti par des disciples qui gardent le dépôt de la parole.
pas géré, assuré. L'avenir est assuré par des disciples qui gardent le dépôt de la parole. Non, le dépôt de leur enseignant, ce n'est pas le dépôt de la parole. Écoute, quand on lit en Josué, Dieu était en train de dire à Josué d'assurer la continuité d'abord en gardant ce que Moïse lui a donné. Pour nous, c'est la Bible. Pour Josué, c'était ce que son dirigeant avait laissé. Qui me comprend? Pour finir le travail qui était devant lui, Dieu lui a dit, si tu veux réussir dans ce ministère, maintiens, médite sur ce que le dirigeant à qui j'avais parlé ces choses d'abord, sur ce qu'il t'a dit. Pour assurer l'avenir, Paul a dit à Timothée, garde mon enseignement. Tu ne peux pas être dans le ministère ni continuer le ministère de celui que tu as basculé l'enseignement. Même pour Salomon, dans Proverbes, David dit à Salomon, si tu veux réussir cette élévation que Dieu t'a donnée, comme le prochain dirigeant, garde mes paroles. Écoute mes paroles. Qui a lu plusieurs de ces passages-là? C'est toujours là. Je ne sais pas si on a des yeux qui voient à l'envers. À l'envers, mais tous ces bêtises, tu vois des jeunes missionnaires, chacun qui veut établir sa griffe, son griffe personnelle, sa griffe. Son ministère distinct. Tu es en train de voir des gens qui avec le temps vont aller à la dérive. Je veux que deux frères ici, deux ici, deux ici et deux aussi là-bas. I want you to pray that God will make us read our Bible. Je voudrais que vous priez pour que Dieu nous amène à lire la Bible. And develop a deep relationship with the Word of God. Et que nous développions une profonde relation avec la Parole de Dieu. Each aspect of the relationship with the Word of God brings a different benefit. Chaque aspect de la relation avec la parole de Dieu apporte un bénéfice différent. In Ezra, in Nehemiah chapter 6, Nehemiah chapter 8. Dans Néhémie chapitre 6 et Néhémie chapitre 8. Public reading of the Bible. La lecture publique de la Bible. In large quantity, en grande quantité, with explanation, avec explication, triggers revival. Cela déclenche le réveil. Each aspect of the relationship with the Word of God has different benefits. Chaque aspect de la relation avec la parole de Dieu a des bénéfices, produit des bénéfices différents. Many of us want revival. Plusieurs d'entre nous veulent le réveil. Without the word of God. Sans la parole de Dieu. It does not happen. Ce n'est pas possible. The spirit works with the word. L'esprit œuvre avec la parole. The spirit of God is clothed with the word of God. L'esprit de Dieu est revêtu de la parole de Dieu. Where the word is not abundant. Là où la parole n'est pas abondante. You have fanatism, not the work of the Holy Spirit. On aura du fanatisme et pas l'œuvre du Saint-Esprit. That is what has produced all this disorder where people hear all they hear end up with voices, end up with feelings and without God. C'est ça qui a produit tout ce désordre où les gens finissent par avoir des voix qu'ils ont entendues, des sensations qu'ils ont eues, mais sans Dieu. And that's what many of us want. Et c'est ça que plusieurs d'entre nous veulent. Experiences without the word. Des expériences sans la parole. The spirit and the word go together. L'esprit et la parole vont de pair, vont ensemble. Please pray. Priez s'il vous plaît. Dirigez la parole de Dieu. Seigneur, je regrette et je prie, Seigneur, que à partir de maintenant que tu ouvres les yeux et que tu nous ouvres les yeux, Seigneur,
Que ta parole devienne, comme on dit, de chevet, Seigneur. Un ami avec, à travers lequel je vais me familiariser, Seigneur. Accorde-moi la grâce de l'étudier, Seigneur. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de la méditer. Accorde-moi la grâce de la mémoriser, Seigneur. Oh Dieu, je prie qu'elle soit comme mon livre de chevet, afin qu'elle puisse me donner la ligne directionnelle à suivre, Seigneur, pour que je réussisse. Seigneur, je prie que ta parole, je puisse la digérer, Seigneur, aimer, oh Dieu, et que je ne passe plus un jour sans l'avoir lu, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, fais cela pour moi, et fais cela pour chacun d'entre nous aussi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je lisais la Bible, mais de façon désordonnée. Il y a même certains aspects que j'ai trouvé même optionnel. Mais ce matin, tu as corrigé mon cœur. Oh, que chaque aspect, chaque contact a ses bénéfices. Seigneur, béni sois-tu. Parce qu'aujourd'hui, je veux lire la Bible en sachant ce que je dois faire. Je prie, Seigneur, que tu m'accordes de lire la Bible, d'aimer lire la Bible. Je prie que tu visites tous ceux qui vivaient dans le désordre de la parole de Dieu comme moi ce matin. Et que tu corriges nos cœurs. Oh, Seigneur, que cette lumière que tu nous apportes, Seigneur, qu'on lise la Bible de façon disciplinée, qu'on lise la Bible sans choisir les options. Oh Seigneur, parce que tout ce que tu as mis, toutes les options que tu as mis, tout contact que tu as mis dans la Bible, a des bénéfices pour nous, Seigneur. Oh Seigneur, donne-nous d'étudier la Bible, de la lire, de mémoriser, de toucher tous les aspects. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Who has a question about... Brother, these are the things that we have been taught, not so. Frère, for ça, donkey years. C'est les choses qui nous ont été enseignées depuis de nombreuses années. In Nigeria, I had to teach the same things. Au Nigeria, il fallait que j'enseigne les mêmes choses. And when you start teaching Nigerians, et quand tu commences à enseigner les Nigériens, you will answer many questions. Tu vas devoir... So the question, yes, Anna. Amen. Savoir ce qui fait en sorte que une personne qui est versée dans la lecture de la Bible, une personne qui a déjà lu la Bible plusieurs fois, de Genèse à Apocalypse, une personne qui lit beaucoup de chapitres de la Bible chaque jour, mais n'arrive pas à faire des progrès dans sa relation avec Dieu. Quand on regarde la manière de faire, donc il n'y a pas un témoignage qui émane de la vie de cette personne. Je voudrais savoir ce qui peut être à l'origine de ça. Comme qui? Bon, comme moi. Comme toi. Tu lis combien de chapitres par jour? Non, il y a parfois je lis 3 chapitres, il y a parfois je lis 6, parfois 8, parfois 7. Parfois même je peux sauter un jour, je ne lis pas. Tu es juste en train de respirer de sauvetage pour ne pas mourir spirituellement. Lis beaucoup. Il faut dire que tu lis beaucoup à partir de 20. Quand tu lis 3 chapitres, tu es en train de prendre le biberon que ton bébé prend. Tu t'attends à travailler avec la nourriture de biberon. Hein? Anne. Pour me préparer, pour m'apprêter, parce que la dose quotidienne de lecture biblique que je vais faire pendant toutes ces périodes de 3 mois-ci sera très limitée à cause de pression. C'est pour ça que j'ai pris une retraite de 10 jours. J'ai lu à peu près 4-5 chapitres de la Bible pendant la retraite. Pour que maintenant, chaque jour, je me débrouille avec 6 chapitres à 10 chapitres pour me maintenir. Dis amen. Amen. Non, les gens sont surpris.
Quand je suis en train d'enseigner, vous ne demandez pas d'où vient le message. Donc ça me saute ici comme ça à l'oreille. Si ça me frappe, pourquoi ça ne t'a pas frappé? C'est pour ça que j'ai dit que l'esprit et la parole vont toujours ensemble. Sinon, on va produire des hérétiques. Si j'ai l'onction et je vous dis des choses et vous acceptez parce que je suis votre dirigeant, sans baser ça sur la Bible et sur la parole, comment vous allez discerner quand je commence à vous entraîner à boire le poison? Si je dis que, comme Paul dit, que pour moi vivre c'est Christ et mourir c'est la mort met un gain et je dis application, bois 3 doses de poison. Prends des poisons. De poison, tu vas discerner qu'on t'a manipulé comment. Vous allez tous mourir. Hein? Sans lire la Bible de façon systématique, on peut juxtaposer des versets bibliques et prêcher des abominations. Quand l'Éternel a commencé à parler à Osée, il lui dit, va coucher avec un prostitué. Révélation. Si je m'en vais prendre une prostituée, je commence une carrière de prophète. C'est vrai? Non. Vous voyez que la Bible là est dangereuse, n'est-ce pas? Bien. J'ai souvent eu un problème, c'est que quand je lis, à un certain moment, je le fais, c'est-à-dire mon esprit n'est pas connecté du début jusqu'à la fin. Et je voudrais savoir si, en vérité, je ne peux pas dire que j'ai lu un chapitre, puisque je me suis perdu. Je ne sais donc pas si il faut que tu continues à lire ou alors revenir. Ou continuer à lire juste comme ça, après les choses vont changer. Je vais poser. Je vais répondre à deux niveaux, Rose. Premièrement, pour retenir consciemment la parole de Dieu, si tu lis seulement avec tes yeux, c'est-à-dire tes yeux qui tournent, tu vas retenir au maximum 15% de ce que tu as lu. Si tu lis avec les yeux, mais tu mimes, c'est-à-dire avec ta... Tu bouges la bouche. C'est-à-dire, c'est comme si tu es en train de lire avec ta bouche. Tu bouges la bouche, même si ce n'est pas audible. Hein? Tu vas retenir 60% de ce que tu as lu. Si tu lis avec les yeux et avec la bouche, surtout si tu lis à haute voix et tu as un petit bic pour souligner ce qui te frappe ou bien pour écrire un commentaire sur ce que tu comprends, tu vas retenir 80%. Donc quand je lis ma Bible, j'ai toujours mon carnet de notes qui n'est pas mon cahier de méditation. Et elle a vu ça, c'est avec ça que j'ai commencé à enseigner. Parce que les choses que je vous enseigne, c'est des choses que le Seigneur m'a appris pendant ma lecture biblique dans ma dernière retraite. Donc, quand tu fais ça, tu retiens 80%. Mais ça, c'est un niveau. Tu peux augmenter ton absorption par la manière dont tu as compris assez. Même quand tu lis,
Et tu n'arrives pas à te rappeler de ce que tu lis. Parce que la pensée humaine est composée de deux grandes parties. La partie consciente et la partie inconsciente. Inconsciente. Tu comprends? Même ce qui n'est pas resté dans la partie consciente se dépose dans la partie inconsciente. Pendant des crises, ça va sortir. Non, écoute, si tu traces ta vie, tu vas voir que même les choses, même le mal suit ses principes. Les mauvaises choses que tu avais vues quand tu étais jeune, c'est avec le temps que tu vas rencontrer des tentations et tu vois que ces mauvaises choses-là, tu avais retenu ça. Qui me comprend? Pour enseigner ça aux missionnaires au Nigeria, j'ai dû faire une expérience, un laboratoire spirituel très dangereux. Je les ai donné chacun des papiers. Je les ai dit, chacun écrit d'où t'es venu tes premières idées du sexe. Je l'ai juste donné des papiers. Écris. D'où t'es venu tes premières idées du sexe? Ça les a effrayés. Parce que la plupart, c'est des petites phrases qu'ils avaient écoutées là. Les racontages de leurs amis à l'école, la télévision et la nudité et l'immoralité de leurs parents. Il y a des gens qui disaient qu'ils sont immoraux sans même savoir d'où les est venu des idées. Donc même quand tu n'es pas conscient, tu es en train d'absorber ça. Tous les amis que tu as jamais eus, chacun d'eux est comme une bibliothèque qui est en toi. Tu as absorbé toute sa vie. Tous les livres que tu n'as jamais lus, hein, c'est dedans là. Au bon moment, soit le Saint-Esprit, soit le diable, chacun va se servir de ça. Planifier et tes tentations ou bien et ton instruction. La Bible dit, l'homme bon, à partir du trésor, sort le bien. Et l'homme mauvais, à partir du trésor, sort le mal. D'accord? Le trésor précède ce qui sort. Donc on entasse d'abord. Donc quand les gens veulent discuter avec moi, où est-ce que la Bible dit de ne pas regarder la télé? Moi je ne discute pas. Chacun de nous est en train de bâtir, amasser un trésor. À partir de ce trésor, va découler la qualité de la vie. Donc quand il regarde trop la télé, c'est la vie de télé là qui un jour va caractériser leur vie dans l'avenir. Et c'est lui qui lit beaucoup la parole de Dieu, même s'il ne comprend pas grand chose. Un jour, tout ce qu'il est en train de lire là sera ce qui va caractériser la vie. Tu as compris? Comme je vais enseigner aux jeunes, les à 14 ans, je vais enseigner aux enfants comment avoir une pensée pure, sexuellement pure. Il y a les grands qui ont beaucoup de fausses idées sur la pureté sexuelle, en grande partie la prétention. Mais dans la pureté sexuelle, il y a deux niveaux. Il y a être délivré par la foi en l'œuvre finie de Jésus-Christ sur la croix. Accompli. L'œuvre accomplie de Jésus-Christ sur la croix, ça traite le principe de la chair. C'est comme quand tu crois à ce que Jésus a fait sur la croix, ça fait une circoncision. Le vieux homme là est crucifié pour laisser ta chair libre de l'emprise des pulsations sexuelles. Mais il y a une deuxième délivrance. Non, il y a trois niveaux. La deuxième délivrance, c'est que ce qui remplit ton être, c'est comme une tasse
d'eau. Si tu es en train de verser, si tu as une tasse de Fanta et tu as un gallon d'eau, si tu continues à verser l'eau dans cette tasse pleine de Fanta, petit à petit, le Fanta va être remplacé par l'eau. L'eau va être colorée un peu par le Fanta, mais si tu continues à verser l'eau là, un jour, il n'y aura même pas de traces de Fanta. Tu comprends? Donc, quand les gens ont beaucoup amassé l'immoralité, quand le Seigneur commence par la délivrance, s'il n'absorbe pas beaucoup la parole de Dieu pour remplacer le sous-culture de tout ce qu'ils avaient ramassé, se plaindre de leur immoralité, c'est un père tant il ne veut pas être pur. Tu as compris? Et le troisième niveau, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Cessez d'aller ramasser ce qui va te provoquer. C'est-à-dire, ferme tes yeux là. Si tu sais que les hommes qui portent les chaussures de crocodile là, qui sont élancés, que ça va tourner ta tête, qui t'envoie les saluer? Ne les touche pas. Va droit sur ton chemin pour aller au ciel. Dis amen. Amen. Parce que chacun de nous a ce qui provoque des choses comme ça. Tu as suivi les trois niveaux. Il y a la délivrance du péché par la foi en l'œuvre accomplie de Jésus-Christ sur la croix. Ça sèvre la chair des grandes pulsations qu'on a ramassées dans le monde. Mais après ça, il y a le principe de remplacement d'un lac. Notre cœur et notre pensée est comme un lac. Il y a beaucoup de boue en bas. Si tu continues à verser du sable, un jour, la boue là, ça va d'abord salir le lac, mais un jour, il n'y aura plus de boue dans ce lac. Qui a compris? Selon mon expérience, si tu as cru à 15 ans, ça va te prendre une lecture régulière et abondante de la parole de Dieu pendant 5 ans pour en arriver à avoir une tête en paix qui n'est pas toujours en train de lutter avec des pensées sales. Tu as compris? Donc, même si tu ne retiens pas avec consciemment, ramasse, s'il te plaît, amasse, ça va jouer sur toi, plus que tu n'en penses. Troublé tout le temps, tombant ici, me relevant, essayant. Oh Seigneur, merci beaucoup pour cette ordonnance. Oh Père éternel, notre Dieu, qui ne va pas essayer, mais lorsque je l'applique, j'obtiendrai ma propre et délivrance totale. Merci beaucoup Seigneur, au nom de Jésus, amen. Yes, Anne-Marie. Ma question, c'est sur la lecture visuelle, la différence. Est-ce que la lecture visuelle a le même effet que la lecture audio? On a tendance, ça dépend, il y a un ratio, let me talk in English. The cognitive powers are different in every individual. Les sens, les cinq sens hein, sont différents pour chacun. Donc chaque personne a des capacités différentes dans ses cinq sens. C'est-à-dire, certaines personnes entendent plus qu'elles ne sentent, d'autres sentent plus qu'elles ne voient, d'autres voient plus qu'elles ne touchent, ainsi de suite. If you use the sense that you are that is most developed in you, si tu utilises le sens qui est le plus développé en toi, you retain more. Tu vas retenir plus. That's the law. Ça c'est la loi. C'est une loi. But I want to say that for women, mais je voudrais dire que pour les femmes, listening to the word of God,
will affect them more than just reading it like this. Écouter la parole de Dieu, ça va les affecter plus que juste promener les regards sur les versets bibliques comme ça. Since all of you, your ears have always been the one made us to baratiner you people. Donc, parce que les femmes, c'est vos Whiskey. Oreilles, ouais. c'est vos oreilles qui ont fait que les hommes soient toujours en train de vous faire la cour. Non, c'est ce qui nous a fait réussir. C'est parce que vous avez des grosses oreilles. Qui a compris? C'est vos oreilles qui vous ont mis dans nos pièges, n'est-ce pas? Donc utilise les oreilles là pour entrer dans le piège de Jésus. De Dieu. Amen. Amen. Hein, fais écouter la parole de Dieu. Ça va travailler sur toi comme les bonnes paroles, les vibrations de base d'un galant. Ça va vous travailler aussi. Dis amen. Amen. Donc je te recommande d'écouter la parole de Dieu en lisant. Tu comprends? N'écoute pas la parole de Dieu sans lire. Parce que si tu es en train d'écouter sans lire, tu vas entrer dans des rêvasseries ailleurs. Sans être en train de suivre la parole de Dieu. Quand tu mets la Bible au Dieu, sois en train de lire. Ça va te travailler beaucoup. Seigneur, merci pour ce que je comprends. Merci parce que tu réponds aux questions. Merci beaucoup. Je vais recommencer à lire ma Bible. Oh Dieu, en suivant. Comme je le faisais, je ne vais pas juste suivre, mais je vais lire pendant qu'elle est en train de passer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ma question concernant la lecture de la Bible. Il y a un jour, notre pasteur avait demandé qu'on lise un passage à l'église. Et les gens sortaient leur... Comment on appelle ça? Leur tablette? Oui, les tablettes, voilà. Et les gens sortaient les tablettes, le pasteur les a réprimés. Il a dit qu'il ne conseille pas ça. Nous devons être familiarisés à la Bible en main. Je n'ai pas compris. Je n'ai vraiment pas compris. Tu as une tablette? Moi, je n'ai pas de tablette. Donc, tu es du côté du pasteur. Je n'ai pas compris pourquoi. Je n'ai pas compris la différence entre lire dans sa Bible et lire sur la tablette. Je dis, Joseph, si on écrit Jean 3:16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, dans une boîte de nuit, et on te dit d'aller lire ça dans la boîte de nuit, tu auras la même révélation que de lire ça chez toi. Non. La tablette, c'est la boîte de nuit où il y a la parole de Dieu. Ça n'a pas changé les paroles, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est la même chose? Oui, Marie. Anna, pendant que tu parlais là, moi, j'ai un peu pitié de moi-même parce que mes capacités de lecture ont beau, je n'arrive plus à lire systématiquement ma Bible. Donc, ce que je fais, je prends ma Bible, je prends mon carnet de notes et je suis à l'ordinateur. Quand un verset me frappe, j'arrête. Donc je ne sais pas. Fais avec ce que tu as. Okay. Tout en demandant au Seigneur de te guérir complètement. Ok, merci. Mais il faut augmenter ce que tu fais maintenant pour compenser pour les déficiences.
Moi, je n'ai même pas écouté la Bible audio. Mais quand il y a quatre ans, quand on a commencé, quand on est venu ici à Koumé, j'ai eu des problèmes des yeux pendant un an. Qui m'a vu porter, me débrouiller à porter les verres là, avec les yeux tout rouges. C'est là où j'ai commencé à écouter la Bible. Parce que sinon, toute l'année allait passer sans que je ne suis la parole de Dieu. Mais j'ai demandé et vous avez prié et mes yeux ont été guéris. Amen. Donc Dieu guérit les yeux. Continue seulement. Si tu parles le temps, tu passes tout le temps à te regarder au miroir. Tu vas finir par mémoriser ton visage. Non, il faut continuer à mémoriser la Bible. Mémorise et oublie. Mémorise et oublie. Mémorise et oublie. Même si c'est tout ce qu'on t'a dit. Tu vas retenir. Il va retenir beaucoup. La vérité est que, ma chère sœur, la plupart des passages bibliques que je cite couramment maintenant, ce ne sont pas des passages bibliques que j'ai mémorisés récemment. C'est les passages bibliques que j'avais mémorisés quand j'étais jeune. Quand j'étais enfant et quand j'étais jeune croyant. Quand je venais juste de croire, j'avais une mémoire. Oui. Je me rappelle à Yaoundé. Dans une nuit de prière de la conquête du monde, j'ai récité tout psaume 119. Et on m'a donné un bon... Et il faut continuer à mémoriser. Maintenant, quand je prêche, quand l'onction tombe sur moi, même les passages que... Je ne me souvenais plus. Ça saute. Ça vient. Dis amen. Amen. Il faut donner au Saint-Esprit quelque chose. Mets le bois sur l'autel. Quand le feu va descendre, il y aura quelque chose à brûler. Amen. Continue à mémoriser. Même si le diable dit tu mémorises, tu oublies, tu mémorises. Continue à mémoriser et à oublier. On veut trop des résultats. Un média. Yes, Carol. J'ai retenu à la réponse de Gisèle, là, c'est que la tablette, c'est la boîte de nuit. Donc, ça me trouble là. Peut-être qu'il fallait dire quelque chose. Tu as une tablette? Aujourd'hui même, je viens de recevoir, et c'était pour voir aussi, c'est seulement pour lire la Bible. Vas-y, continue à lire ta Bible. Mais si tu as décidé d'aller lire beaucoup la Bible dans la boîte de nuit. Non. Pourquoi c'est la boîte de nuit? Regarde, j'ai la Bible dans ma tablette. Si je suis dans l'avion, si je suis dans la voiture, si je suis... dans des endroits compromettants où je ne peux pas porter ma grosse Bible. Je rachète mon temps en lisant la Bible. Mais porter la tablette pour aller à l'église, quand c'est le moment de Dieu, je ne pense pas que le papier est plus sain que la tablette, que l'écran. Tu comprends? Au fond même, ça, c'est des problèmes d'une transition de génération. Ce n'est pas un problème de... Ce n'est pas un problème de... un problème à fond. Peut-être quand le pasteur commence à dire... certains de nos jeunes, ils sont en train d'imiter les grands prédicateurs qu'ils voient dans la télé pour amener des choses comme ça. Donc, quand le pasteur réagit, ça peut ne pas juste être le fait d'une tablette. Il y a beaucoup de choses. Mais je ne vais pas répondre à toutes ces sensibilités-là. Donc, à la fois,
à la fois, je ne veux pas trop parler. Si il vient ici au camp des étudiants et chacun sort sa tablette, ça ne va pas me déranger, même une pouce. Hein? Quand il sort le téléphone, qu'il s'assure juste que le téléphone ne sonne pas pour voir la Bible. Mais tu vois, c'est évident que quand tu ouvres la tablette, il y a tellement d'autres distractions. Et il y a des choses dans notre culture, on associe certaines choses avec d'autres, avec des objets. Donc il y a des gens pour qui, dans la mentalité, ils associent les tablettes avec l'information, le divertissement et d'autres choses. Et le fait de révérer le nom de l'Éternel, ils ont besoin d'avoir de la révérence pour ne pas profaner tout. Mais il y a aussi des gens de ces générations pour qui la tablette n'est plus une profanation. La profanation l'a été déjà finie dans les années 70. Donc pour eux, ils ont grandi. Comme toi et moi, on a eu le papier comme saint. Pour eux, l'écran est leur vie normale. Pour de telles personnes, je ne gaspille pas mon temps à dire qu'ils ne sortent pas les tablettes. Ils ne sortent pas les tablettes, qu'il a quoi d'autre? Non, tu as compris? Mais je comprends ce que le pasteur là est en train de dire. Et c'est, je n'ai pas dit que l'écran, c'est seulement la boîte de nuit. C'est tout un monde. C'est tout un monde. Tu trouves tout là-bas comme dans la ville de Bétois. On trouve les bandits, hein, et tout le monde. Quand tu marches en ville, mais on passe quand même chez nous, n'est-ce pas? En traversant les bandits. C'est sur cette tablette-ci. Ça n'a pas de conséquences. Si un pasteur dit qu'il ne veut pas que les frères amènent les tablettes dans son église, je vais me tenir avec lui. Si lui, il laisse les gens consulter les tablettes, je ne vais prêcher aucun sermon contre ça. Vraiment, les péchés sont finis. Les vrais, vrais péchés que les gens commettent là, tous ces péchés-là sont finis. Le pasteur dit qu'il ne veut pas les tablettes dans son église, moi je me tiens avec lui. Si le pasteur, ça ne lui dit rien, si les gens sortent leurs tablettes, moi je ne le condamne pas. Pourvu que ces gens sont saints. C'est par leurs fruits qu'on va les reconnaître. C'est par leurs fruits. Moi, je veux voir les vies transformées, les vies changées. Des gens qui craignent Dieu, les gens qui marchent avec Dieu. C'est ce qui m'intéresse. On veut voir, pas la parole, pas les grosses Bibles, pas les tablettes, mais la parole écrite dans les vies des hommes. Voici la lettre, c'est la lettre du Saint-Esprit, ce qui est écrit dans la vie. Comme Paul dit que vous êtes une lettre écrite par Jésus. Une lettre de Dieu écrite par Jésus sur vos vies. Quand on nous montre ça, si c'est les tablettes qui ont amené ça pour imprimer, béni soient les tablettes. Si c'est le papier, si c'est le papier qui a amené ça, béni soit le papier. Mais c'est le Saint-Esprit qui écrit dans la vie des hommes. De telles choses ne m'intéressent pas. Vous avez compris?
Donc moi, je trouve il y a des arguments pour et contre, mais ça ne m'intéresse pas. Si quelqu'un, si un pasteur ne veut pas banaliser, profaner, détruire la révérence dans son église, en ayant des gens qui tournent des tablettes pour ne pas ressentir la présence du Saint-Esprit, parce que les gens sont en train de profaner la présence de Dieu. Je me tiens avec lui. Je le comprends. On n'amène pas le Saint-Esprit partout. Il y a des choses que l'Esprit de Dieu ne va pas tolérer. Mais je ne veux pas transformer ça en une doctrine. Ça, ce n'est pas une doctrine. Il y a des bonnes doctrines. Que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Ça, c'est la doctrine. Que le sang de Christ nous a donné accès à la présence de Dieu pour qu'on soit acceptable aux yeux de Dieu. Ça, c'est la doctrine. Que Christ est ressuscité d'entre les morts et il est assis à la droite du Père comme vie, comme roi de toute la terre, d'où il viendra juger le monde. Donc on vit en conséquence du fait qu'on a quelqu'un qui va nous juger. Ça, c'est la doctrine. Pourquoi nous on conduit les voitures, pas utiliser des chariots? Je dis, pourquoi même vous portez des vestes sans porter des toucans? On dit toucans. Les habits des pygmées. Les habits des pygmées, là. Non, laissons des choses, des choses qui sont des choses relatives, d'une moralité relative, à base de l'état de la conscience. Si quelqu'un a une conscience faible, respectons sa conscience. Si quelqu'un a une conscience forte, qui ne méprise pas les autres. Paul nous a donné des règles qui régissent de telles choses. Il y a des choses qui relèvent de l'état de la conscience. Si la conscience de quelqu'un le condamne, qu'il respecte sa conscience. Qu'il respecte sa conscience. Parce que tu violes ta conscience, tu perds Dieu. Même si tu as raison, si tu violes ta conscience, Dieu va partir. Est-ce que c'est clair? Oui. Let's leave it like that. Paul knew that eating food offered to idols. Paul savait que manger la nourriture offerte aux idoles. Because the food was being offered to demons. Parce que cette nourriture était offerte aux démons. Parce que cette nourriture était offerte aux démons. He knew that it would stain the believers. Il savait que ça allait souiller les croyants. When they considered the fact that it has been offered to idols. Quand ils considéraient le fait que ça avait été offert aux idoles. But he told them. Mais il leur avait dit. That idols are nothing. Que les idoles ne sont rien. So the person who knows that the idol is nothing. Donc la personne qui sait que l'idole n'est rien. In front of him, they just meat. Devant elle. Ce n'est que de la viande. So that fellow can eat his meat. Donc celui-là peut manger sa viande. But he told them, mais il leur a dit. If you are eating that your meat in the freedom of your heart. Mais si tu manges, est-ce que si tu es en train de manger cette viande en toute liberté de cœur? And somebody is there. Et quelqu'un est là. Who is not conscious of the meat, but conscious of the idols to whom that meat was offered. Qui n'est pas conscient de la viande, mais de l'idole à qui cette viande a été offerte. Respect that person's conscience. Respecte la conscience de cette personne. And don't eat that meat. Et ne mange pas de cette viande. That's the law of love. Ça c'est la loi de l'amour. Not the law of righteousness. Ce n'est pas la loi de la justice. Let's walk in love. Marchons dans l'amour. There are situations where both situations are right. Il y a des situations où une chose et son revers sont correctes.
He says, he who decides to treat any day very special is right. He who decides that every day is quiconque décide de traiter un jour comme spécial a raison, et quiconque décide que tous les jours sont pareils a aussi raison. So there are situations where both situations are right. Donc il y a des situations où les deux avis sont corrects. There we follow the law of love. Et là nous suivons la loi de l'amour. Not the law of our personal righteousness. Pas la loi de notre justice personnelle. Who has understood? Qui a compris? There are issues about which you don't impose your convictions on another. Il y a des choses sur lesquelles tu ne dois pas imposer tes convictions sur quelqu'un d'autre. Those who have a religious mind, who have never deeply repented, don't know the difference between such issues. Ceux qui ont une pensée religieuse, qui ne se sont jamais profondément repentis, qui n'ont pas connu la vraie repentance. Merci. Qui n'ont pas connu la vraie repentance, ne connaissent pas la différence entre les deux. Morales et les choses anodines. Pour la pensée religieuse, les scrupules prennent la forme d'une doctrine. Vous me comprenez? C'est la religion naturelle. C'est parce que pour de telles personnes, ce n'est pas la relation avec Dieu qui compte. C'est les impressions qui comptent. Donc, c'est les gens qui ont connu une profonde repentance envers Dieu et pour qui la présence de Dieu est réelle, qui sépare les choses qui ne touche pas à la communion intérieure. Parce qu'il peut sentir ce qui ne touche pas à la communion avec Dieu à l'intérieur. Vous me comprenez? Ce n'est pas avec la tête qu'il décide. Il décide parce qu'il peut sentir ce qui viole la communion avec Dieu. Qui a compris un peu? Les gens qui n'ont jamais connu une profonde repentance, ils n'ont pas cette capacité-là. Ils apportent une pensée religieuse sur des choses spirituelles. Dans beaucoup de situations, dans notre culture par exemple, si on embrasse les gens, on embrasse les femmes, ça peut être de l'amour. Refuser de l'embrasser les sœurs, est-ce que ça change quoi que ce soit dans la relation de quelqu'un? Que tu embrasses, que tu n'embrasses pas, ça anodine. Il ne faut pas être un embrasseur. Parce que quand tu vas arriver en Inde, où on n'embrasse pas les femmes, tu vas faire comment? Tu vas être en train de pécher en embrassant tous les sœurs. Et votre église, qui va venir là-bas? Quand on enterre quelqu'un avec beaucoup de lamentations, quand on enterre quelqu'un sans lamentation, ça anodine. Parce que les deux sont dans la Bible. On passe tout notre temps. Si tu trouves que l'esprit de la personne est parti et la personne est avec le Seigneur et ce n'est que le corps qu'on est en train de déposer et ça ne te dit rien, tu as raison. Si tu trouves que la personne qui est en train de partir là t'a été très chère et l'absence de la personne va beaucoup te manquer et tu pleures, tout ce que la Bible dit c'est ne pleure pas comme des païennes. Mais il ne dit pas de ne pas pleurer. Mais il dit, ne pleure pas comme des païens qui n'ont pas de l'espoir. Il faut freiner tes pleurs. Si tu brûles le corps, ou bien tu enterres le corps dans une tombe,
Ça gêne en quoi? Quand le Seigneur va venir, même le corps que tu as brûlé va devenir, il va recevoir toujours son corps de résurrection. Dis amen. Amen. Entre le feu et les asticots, lequel est plus sain, auquel confier le reste de quelqu'un? Qui m'a compris? Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on doit juste suivre, revenir au Seigneur, au lieu de passer tout notre temps sur des choses qui ne nous avancent pas, mais qui nous donnent l'impression d'être des gens très consacrés. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous donnent une impression qu'on est très spirituel, n'est-ce pas? Qui n'avance en rien notre relation avec Dieu. Donc si tu vois quelqu'un qui est en train de pleurer, la Bible dit de mener deuil avec ceux qui sont endeuillés. Pleure avec ceux qui pleurent. Dans des situations anodines, on suit la loi de l'amour. On pense à l'autrui. Qui a compris? Quelle que soit ta conviction personnelle, on pense à l'autrui. Mais dans des situations morales qui touchent à la loi de Dieu et qui touchent à la nature de Dieu, il n'y a pas deux positions. Il n'y aura jamais une fornication sainte, anodine. Il n'y a pas de mensonge anodine. Il n'y a pas de vol anodin. Il n'y a pas de commérage anodin. Il y a des choses qui... Le noir, c'est le noir. Et le blanc, c'est le blanc. Il n'y a pas de milieu. Qui a compris? Le frère Zaka a écrit sur ça dans un de ses livres récemment. Là, il a même parlé sur les sœurs et les pantalons. Ça, c'est les livres qui n'ont jamais été publiés. Which book is it, Céline? The Believer's Conscience. It is the book, The Believer's Conscience. Because the conscience should be educated with knowledge. La conscience doit être éduquée avec la connaissance. There are many matters of conscience. Il y a plusieurs questions de conscience. The Assemblies of God almost dismissed David Wilkerson for putting the book, the cross and the switchblade into a film. Les assemblées de Dieu ont failli renvoyer David Wilkerson pour avoir mis le livre La Croix et le Poignard sous forme de film. They say, you know that our church does not watch film. Ils lui ont dit, tu sais que notre église ne regarde pas les films. Why did you produce a film? Pourquoi est-ce que tu as produit un film? Who will watch it? Qui va le regarder? Will the assemblies of God members watch it? Est-ce que les membres de l'assemblée de Dieu vont regarder cela? David Wilkerson just said. David Wilkerson a juste dit, I must get the gospel out to the streets. Il faut que j'apporte l'évangile dans les rues. To those who need it. À ceux qui en ont besoin. If your church cannot contain the gospel going. Si votre église ne peut pas contenir le fait que l'évangile sorte. This is my ordination license. Voici ma démission, ma licence d'ordination. You can take it. Vous pouvez la prendre. They had a whole Assemblies of God national convention to decide whether to dismiss David Wilkerson. Ils ont eu toute une assemblée, une convention nationale des assemblées de Dieu pour décider s'il faut renvoyer David Wilkerson ou pas.
Everybody was d'accord. Tout le monde était d'accord. Except Zimmerman. Sauf Zimmerman. 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 The one who started the Zondervan Publishing House. Celui qui a commencé la maison d'édition Zondervan. He took the ordination license. Il a pris la licence d'ordination. And gave it back to Wilkerson. Il a remis ça à Wilkerson. And he told Wilkerson. Et il a dit à Wilkerson. And he told all the pastors. Il a dit à tous les pasteurs qui étaient là. We don't agree. Nous ne sommes pas d'accord. The matter finishes here and now. L'affaire se termine ici et maintenant. Wilkerson, continue your ministry. Wilkerson, toi, continue ton ministère. Who has understood? Qui a compris? We may confuse many personal issues about our way, our upbringing, with God's doctrine. Nous pouvons confondre beaucoup de choses personnelles qui relèvent de la manière dont nous avons été élevés avec la doctrine de Dieu. That's pharisaism. C'est du pharisianisme. For many of us who are Presbyterian pastors' children. Pour plusieurs d'entre nous qui sommes enfants des pasteurs presbytériens. A woman in trousers. Une femme en pantalon. Whether it is tight like. Que ce soit serré. Or loose like what. Ou libre comme quoi. Has already is quarter to going to hell. Elle est déjà à moins le quart d'arriver en enfer. But it is more our upbringing than the Bible. Mais c'est plus notre manière d'avoir été élevé que la Bible. C'est plus notre éducation. C'est plus, merci. C'est plus notre éducation que la Bible. And we should know the difference. Et nous devons connaître la différence. Let's drop questionable issues. Laissons tomber les sujets débattables ou bien les débats. Les sujets de débat. Les sujets de débat. Let's come back to the Lord. Revenons au Seigneur. Let's obey the Lord. Obéissons au Seigneur. Let us have the inner witness. Ayons le témoignage intérieur ou recherchons le témoignage intérieur. Let's keep the joy of the Lord. Et gardons la joie du Seigneur. Let's maintain peace. Maintenons la paix. With God. Avec Dieu. And with man. Et avec l'homme. Let's have an unclouded relationship with God and with man. Ayons une relation avec Dieu sans nuage et une relation avec l'homme sans nuage. I don't like flimsy dressing. Je n'aime pas un habillement négligé. Somebody sent our daughter some trousers many years ago. Quelqu'un avait envoyé des pantalons à notre fille il y a plusieurs années. From the US. Venant des États-Unis. I carried her outside. Je l'ai amenée dehors. Carried the trousers. J'ai pris ses pantalons. Even plus the up. En plus même des t-shirts et des chemises qui avaient dedans. That were healthy. Qui n'avaient pas aucun problème. Since they were together with that trousers. Puisque c'était venu avec ces pantalons là. They were all leprous clothes. Tout ça c'était des vêtements lépreux.
I took her outside and I told her to pour kerosene and burn them. Je l'ai amenée dehors. Je lui ai dit de verser du pétrole dessus et de les brûler. Christianity. Ça, ce n'est pas le christianisme. That's the right of a father to raise his child the way he wants. Ça, c'est le droit d'un père, qu'un père a, d'élever ses enfants comme il veut. Who has understood me? Qui m'a compris? That's being a parent. Ça, c'est être un parent. I will not do that to members of the church. Je ne ferai pas ça aux membres de l'église. Let us just come back to a clear head. Revenons juste à une tête claire. Tout qui m'a compris? Let's come back to the Lord. Revenons au Seigneur. Je voudrais qu'un certain nombre de personnes prient. About three people. Environ trois personnes. That we shall follow life. Pour que nous suivions la vie. A relationship with God. Une relation avec Dieu. And not religion. Et pas la religion. Life. La vie. That we will know what touches on the relationship with God and know what does not touch the inner relationship with God. Que nous sachions ce qui touche la relation avec Dieu et ce qui ne touche pas la relation intérieure avec Dieu. Let some people pray. Tu marches avec Dieu et tu vois les gens qui ont des indices de ne pas marcher avec Dieu dans ces accoutrements extérieurs. Ça ne va pas, ce n'est pas à ça que tu vas attarder. Mais le fait que tu ne t'attardes pas là ne veut pas dire qu'ils ont droit de faire comme ça. Chacun qui veut marcher avec Dieu va gérer son apparence extérieure parce que Jésus est Seigneur. Il doit dicter tous les détails de nos vies. Et il ne peut pas nous permettre à prendre des choses qui sont offensives aux autres. Qui me comprend? Mais les autres qui marchent avec Dieu ne vont pas transformer ça en légalisme sur ceux-là. On va les amener à restaurer leur relation avec Dieu. Parce que quand il va commencer à vraiment marcher avec Dieu et à vouloir plaire au Seigneur, son apparence physique va lui importer. Ça va changer. Le problème, c'est qu'on veut faire l'islam, changer l'extérieur des gens sans les avoir rapprochés du Seigneur. C'est ça la religion. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un marche avec Dieu, tout ce qu'il porte, que ça ne vaut pas la peine. Jamais. Si on commence à enseigner une telle chose, le monde va nous inonder jusqu'à ce qu'on ne va même plus reconnaître si on est dans l'église ou bien si on est dehors. Qui a compris la différence? Les deux, quand celui qui regarde à l'extérieur s'attarde sur ces choses extérieures, il n'est pas en train de concentrer sur l'essentiel. Mais quand la personne qui porte ces choses se met à défendre ça, quel que soit l'impact sur les autres, c'est parce que Jésus ne veut rien. Il s'en fout de Jésus. Comment il peut être un enfant de Dieu sans marcher dans l'amour? Avant de porter le pantalon, je dois me poser la question, est-ce que Jésus accepte ça?
Il est le Seigneur de mon corps. Est-ce que c'est le chemin de l'amour? Est-ce que dans la communauté où je me trouve, voici le meilleur témoignage de Dieu? Est-ce que dans la société où on se trouve, voici le meilleur témoignage de Dieu? Les gens qui marchent avec Dieu, ils vont poser ces questions. Et Jésus va prescrire leur habillement. Parce qu'il est leur Seigneur. Mais nous autres, à partir du dehors, ce n'est pas on doit amener des gens à bâtir la relation avec Dieu, pas à établir une uniformité de comportement qui est agréable. Ça, c'est la réformation. Ça, ce n'est pas aider les gens à bâtir une relation avec Jésus. Est-ce que les musulmans, avec tout leur pyuda, est-ce qu'ils sont saints? On peut créer un habillement qui couvre même jusqu'au nez. Parce que le fait que Jésus doit contrôler tous les aspects de la vie doit être enseigné. Mais tu mets le point là. Et tu laisses le Saint-Esprit travailler les gens. Tu as compris la différence? Ni celui qui s'attarde sur ça, ni celui qui banalise ça pour dire que ce n'est pas important. Les deux, le véritable problème, c'est que personne n'est en train de marcher avec Dieu. Dieu n'est pas réel. Il ne ressent pas Dieu à l'intérieur. Donc quand quelqu'un, nudité ne veut pas dire la chair exposée. Nudité peut aussi dire la forme exposée. Donc quand quelqu'un, il y a des gens qui sont nus étant habillés. Qui a compris? Nus étant habillés. Donc, de telles personnes, ils sont des impies. Ils ne craignent pas Dieu. Quand tu vois des gens comme ça, c'est des lépreux. Il faut les toucher ayant peur de leur habillement même souillé par le péché et les sauver. Petit, tu t'en vas. Ok, on est clair là-dessus. Quand tu vois des gens qui mettent n'importe quoi et ils viennent même dans l'église et ça ne les dit rien, le véritable problème, ce n'est pas ces pantalons. C'est un manque de crainte de Dieu. C'est quelqu'un qui n'a pas ressenti la communion avec Dieu pendant longtemps pour avoir la témérité de faire de telles choses. Quand une femme a l'audace de montrer sa nudité, elle va donner quoi à son mari? C'est le taxi de Bétois. On a pitié de ces gens de taxi, n'est-ce pas? Mais entre former tes disciples et l'église, avec les gens qui viennent de partout, il y a des prostituées qui, ils ont cru, mais hein, avant, ils portaient les mini-jupes cassés, les déchirés là, non, so, les destroyés là. Hein, avant, ils portaient sans dedans, sans sous-vêtements, mini-jupes destroyés. Donc quand tu les vois maintenant en train de porter collant, ils viennent de loin. Déjà même là, hein, il a fait un long chemin. Pour elle, elle est maintenant saint comme il n'est pas permis. Quand tu lui dis alors qu'elle est encore mal habillée, elle ne te comprend pas. Donc, bâtissons des gens comme ça. L'habillement, les jours spéciaux, les éléments sacramentaux et beaucoup d'autres choses. L'huile d'onction, est-ce que c'est l'huile d'olive ou bien n'importe quelle huile? N'en faisons pas une doctrine.
C'est compris. On remercie Dieu pour la nourriture.